Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons notre Roi, notre Dieu. Et nous sommes encore heureux de vous accueillir à ces thèmes que nous sommes en train de développer à la recherche de l'âme sœur, à la recherche de l'homme de ma vie, de la femme de ma vie. Et nous avons été édifiés. Nous avons déjà franchi plusieurs étapes. Nous en sommes au niveau du moment. Nous avons dit, pourquoi attendre le bon moment? Il faut l'attendre. Nous avons aussi développé un autre aspect, qu'il faut éviter la précipitation, parce que la précipitation est toujours source d'erreur. Et à ce moment, nous sommes en train de voir maintenant le bon moment. Quel est le bon moment? S'il ne faut pas brûler les étapes, s'il ne faut pas se précipiter, quel est alors le bon moment? Et comment être sûr? Quand est-ce que l'on peut alors dire que l'on est au bon moment, que le bon moment est arrivé? C'est là que nous sommes. Nous allons prier et entrer en eau profonde. Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Touche le cœur de tes enfants encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Quand est-ce que l'on peut alors dire que le bon moment est arrivé? Okatigani utasema muda umefika ili uingie katika hiyo aventure amoureuse. Nous avons compris, bien aimé, que quand tu brûles les étapes, tu cherches à les brûler, les étapes vont te brûler avant que tu ne commences à les brûler. Même quand tu commences, quand tu les amorces, les étapes sont tellement têtues que les étapes peuvent te brûler. Les étapes sont tout à feu. Les étapes sont brûlantes. Elles peuvent facilement te brûler si tu t'aventures. C'est comme un courant. Je ne sais à combien de volts. Alors, évite de t'aventurier. Les étapes, on ne joue pas avec. Les étapes, on ne les brûle pas. Les étapes, on ne se précipite pas avec ça. Il faut aller lentement, mais sûrement. Tambola malembe, okokoma. Timbe ya pole pole, pole pole, njomwendo. Tambola kamalembe, okokoma. Tambola malembe okokoma. Utembee pole pole, utafika. Safari ni ndefu. Mwendo iko. Lakini, tulia utafika. Tulia utafika mpendwa. Tulia utafika baba. Tulia utafika mama. Quand est-ce que l'on peut dire alors que le bon moment est arrivé? Nous avons compris que quand on a la conviction que Dieu approuve ces moments, quand on a la conviction que Dieu est d'accord avec ces temps, quand on a la conviction que Dieu approuve ces moments, on peut dire le bon moment est arrivé parce qu'on est convaincu que Dieu approuve ces moments. Et Dieu fait résonner toujours une voix, une conviction dans ton cœur, la conviction qui te rassure que wakati muda umefika, tu le sens au fond de toi. Et tout dépend de l'objectif que tu t'es déjà fixé. Et Dieu te donne souvent la conviction, aussi en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés avec Dieu. Il faut aussi avoir l'assurance que l'on n'est plus un enfant. Avoir atteint un certain niveau de maturité à tous égards. C'est de cela qu'on va parler essentiellement aujourd'hui. Avoir atteint un certain niveau de maturité. Et la troisième chose qu'on verra après, être sûr d'avoir compris qu'est-ce que c'est que l'amour. Être sûr d'avoir compris qu'est-ce que signifie aimer. Alléluia. Un musicien a chanté, il a dit, l'amour, c'est d'aimer avant d'être aimé. Aimer avant d'être aimé, c'est ça l'amour. Quatrième chose. Avoir atteint un certain niveau de préparation, la préparation psychologique, la préparation spirituelle, ainsi que la préparation matérielle. Bien-aimés,
Quand est-ce que l'on peut alors dire que l'on est, que le bon moment est arrivé? Quand on a la conviction que Dieu approuve le moment, on a déjà déballé ça. Et aujourd'hui, la deuxième chose, quand est-ce qu'on doit être sûr que le bon moment est arrivé? C'est quand on a l'assurance que l'on n'est plus un enfant. On a l'assurance d'avoir atteint un certain niveau de maturité. On a l'assurance que l'on n'est plus un enfant. Parce que l'amour n'est pas pour les enfants. Un enfant ne peut pas... Un enfant peut aimer l'amour filéo, l'amour envers sa mère, l'amour envers ses frères. Mais ici, nous nous parlons de l'amour éros. L'amour qui a souvent pour attirance quelque chose qui est le sexe. L'amour qui a pour attirance le sexe opposé, qui n'est même pas de ta famille. L'amour souvent qui a pour finalité le sexe. L'amour éros a souvent pour finalité, même si ce n'est pas aujourd'hui. À la longue, la finalité de l'amour éros, c'est le sexe, c'est consommer le sexe. Alors, ce genre d'amour n'est pas pour les enfants. Bien-aimé, il faut être sûr d'avoir atteint un certain niveau de maturité à tous égards. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Nous avons lu ce que la Bible nous a dit. Et nous allons relire cela. On dit ceci. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, ou lorsque j'ai grandi, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Nili pokuwa mtoto, nili zungumuza kama mtoto, nili kuwa na maamuzi kama ya watoto, ningilikuwa hata tayari kupana kitu kia maana kwa ajili ya vitu ya burebure. Nilikuwa nafikiria kama mtoto. Lorsque je suis devenu homme, wakati nimekuwa mtu mzima, haleluya, mtu mzima, nimeachilia yote ya kitoto. Cette transformation, tu dois être sûr que cela s'est opéré dans ta vie. Tu es passé de la face à la maturité. Tu es passé de la face à l'état d'homme fait. Tu dois être sûr que tu ne vas plus réagir comme un enfant. Tu dois être sûr que tu ne vas plus juger comme un enfant. Tu dois être sûr que tu n'auras plus les attentes d'un enfant. Nous sommes à Galates. Galates chapitre 4, le verset 1er. Il est dit ceci. Or, j'ai dit, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère à rien de l'esclave, quoique le maître de tout. Et on continue, on dit, il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de même, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais je jugeais comme un enfant. J'appréciais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, wakati nimekuwa mtu mzima, akili ya kitoto imetoweka, naanza fikiria kama mtu mzima. Lakini kama nilikuwa ningali mtoto, na mafikara yangu ilikuwa ya kitoto. Dans Galates 1, le verset 4, a descendu au dit, le verset 1, a descendu, chapitre 4, Galates 4, est a descendu. Aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il est sous des tuteurs. Nukusema, wakati muriti, angali mutoto, hawawezi kumuachia uriti. Atakuwa na watu ambao wataongoza maisha yake, wataibeba kwenye wanataka, ijapokuwa, ingalao yeye mwenyewe, sherti ariti, nataweza kuishi maisha yake.
wakati uko mtoto ni kusema, hata unaenda katika ndoa, hautakuwa na uwezo ya kubeba ndoa yako gisi unataka. Les personnes qui ne savent pas tenir leur foyer, les personnes qui ne savent pas imposer leur autorité dans leur foyer, ni watoto. Utaacha tena wazazi wako waongoze ndoa yako, arusi yako iongozwe na watu ya nje, arusi yako iongozwe na hisia za watu wengine, hiyo ndio mtoto. Ndio maana wanasema ya kwamba, kama haujakomaa, usiende katika upendo. Il faut être sûr que tu n'es plus un enfant. Cher tukue na wahakika ya kwamba wewe si tena mtoto. Kuwa na wahakika ya kwamba wewe umekomaa. L'apôtre Paul dit quand j'étais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Comment raisonner un enfant? Comment raisonner un enfant? Alléluia. Premièrement, l'enfant raisonne de manière égocentrique. La première caractéristique d'un enfant, c'est l'égocentrisme. Mtoto anapenda kwanza yeye mwenyewe. Hata mtoto ukimwona atakwambia kila kitu changu, 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 changu. Sasa enafa. La fa est égocentrique. Ça veut dire, si tu es encore égocentrique, tu es enafa. Unapenda umimi, hauko tayari kujisahau, hauko tayari kujinyima ili upatie mwingine. Tu es encore enafa. Ne va pas dans l'amour, l'amour va te tuer. La fin, la deuxième chose, comme ce que nous avons lu dans les textes là. Nikusema hapa, kati Paulo anasema, nilipokuwa mtoto ya utoto imepita, nikusema nimeanza jisahau, naanza itika mwingine achukue kenye nilitamani nichukue. Haleluya. L'égocentrisme. La deuxième chose, la fin recherche la validation des autres. Il cherche à être validé. Mtoto tapenda kila kitu akikifanya aone est-ce que kimekuwa mzuri nimeweza? Est-ce que nimeweza? Autrement dit, la femme veut réjouir le cœur de quelqu'un. Il veut que quelqu'un apprécie ce qu'il fait. C'est là que tant que tu es enfant. Ukiwa tu ngali mtoto uko na shida. Unaweza fanya hata dega. Juu ulipenda batu bafurahi kenye uko nafanya. Unaweza fanya kosa juu watu walicheka, watu walifurahia kenye unafanya. Unaendelea kufanya dega. Na njoo vile unaweza shindwa kujerea mu, roho yako itakuwa kwanza umufurahishe ule kale ka kijana ambao kana manipule. On peut facilement jouer avec les sentiments de l'enfant. On joue très facilement avec les sentiments de l'enfant. Et on peut faire à l'enfant ce qu'il ne voulait pas faire. On peut faire à la fin ce qu'il ne voulait pas faire. Wakati uko mtoto, wanaweza kubeba facilement ndani ya kitu ambacho haukuwa tayari kufanya. Parce que la fin cherche la validation. Ah, kama nikikatala hiki atachukia. Anasema nimuguse hivi. Anasema nanigusa hapa. Nikikatala atachukia. No, si tu connais ta décision, vous n'êtes pas marié. Si tu as à telle maturité, tu sauras arrêter même la main de celui qui dit qu'il t'aime. Parfois, quand tu vois qu'il exagère, tu lui dis attention, misiko mixere hapa. Usiwaze kama uko tayari kunichezea. Hawezi chezea maisha yangu sasa. Hawezi chezea mwili yangu sasa. Stop. Tu vas prendre l'autorité. Alléluia. Tu vas prendre l'autorité. Mais un enfant n'a pas d'autorité. La face se laisse faire. Parfois la face se laisse aller. Cher tujue ya kwamba umekomala. Hautajiachililia tena sawa mjinga mjinga moya hivi. L'autre chose, la femme n'a pas de décision. Le plus souvent la femme est versatile. On ne sait pas connaître sa vraie position. C'est là que la femme peut facilement perdre la grande chose à cause des bonbons. À cause des bonbons, la femme est prête à perdre sa vie. Juu ya kakitu kidogo, mtoto wanaweza pana nyumba yote. Wanaweza ambia mtoto wanasema, mina kupatia sanfra wende nunua bombo. C'est comme ça que les voleurs volent dans certaines parcelles où on laisse les enfants. Wakapatia watoto pesa, waende wanunue bombo. Mwizi anaingia kunyumba na beba yote. Kwani ni mtoto? Hakujua kuamua kusema apana, mimi sitaenda. Walisema ni baki hapo ni chunge.
Et toi aussi, si tu n'as pas grandi, utakuwa tayari. Wakati anakuambia, juu nioneshe gizu unanipenda, inomba nikuguse kwanza, inomba hivi, inomba basi, unakia jikuta mumekosome sexe. Tu vas regretter plus tard. Tu as perdu ta virginité. Parce que tu n'as pas de décision. Un enfant ne mérite pas d'aimer. Un enfant ne doit pas s'engager dans cet amour éros. Parce qu'il ne saura pas avoir la décision. L'enfant est manipulable. Cet amour éros a besoin de personnes qui ont la décision. Quelqu'un qui a la personnalité. L'enfant n'a pas la décision. L'enfant n'a pas la personnalité. La femme peut céder à tout moment. Najua kuna watoto wengi ambao wanaenda ndani ya amour. Ndio maana mnajua na n'importe quand. Ya kufata. La femme, l'une des caractéristiques des enfants, la femme imite. La femme fait ce qu'on appelle l'imitation. Imitation. Kinya naona mwingine anafanya naye atakifanya. Kama taona hibajinga bajinga hiko na gusana, atasema ndiyo, na si fulani naye alikuwa na gusa, ata fulani aliniambia seme balilala na mtu fulani, haikuwa ata shida, bo na shie tu hakuna shida, si wengine nao walifanya, imitasyo. Oh, naona waligusana hivi, na shie tumeza gusana tu vile, bo tunaweza ta, hakuna shida, naanja cheka cheka, kwa ni mtoto, anapenda kuimite. Limitation. Tant que tu ne sais pas prendre ta décision, même si tout le monde conduit l'amitié comme ça, même si tout le monde se connaît avant le mariage, même si tout le monde se caresse à désordre avant le mariage, moi je n'accepterai jamais qu'un homme caresse mon corps. Je n'accepterai jamais de toucher, de caresser le corps d'une femme, même si une femme veut m'y amener. Je ne me vendrai jamais au rabais. Je ne suis pas un mixeur. Prends la décision. Kama umekoma utakata hatua. Lakini kama ungali mtoto, utaiga. Atakuambia si fulani kwanza nao kwa wanafanya ile. Kwa nini unawaza kama shie tu sifanyi? Kama umekoma utasema wale ni wao. Lakini mimi ni mimi. Je sais qui je suis. Haleluya. Utasema najijua. Utasema najitambua. Utasema mimi mwenyewe. Najua kama niko nani. Najua kama niko nani na sitakuwa tayari kufanya kila kitu. Mpendwa katika Bwana, ya kufata, mtoto anapenda kulia. La fave pleureni, pleurniche, et attire l'attention par le pleur. Kakitu ya pata hivi, machozi. Kakitu ya pata hivi, oh, munaachana. Kakitu ya pata hivi hamuta semezana tena. La fape ve attire l'attention par le pleur. Ka o grandi, o diminue le pleurnichard. On ne pleurniche plus. Alléluia. Bien aimé dans l'amour, parfois on supporte certaines choses, certains chocs de caractère. Tu apprends à les supporter même dans l'amour parce que vous allez apprendre à bien vous connaître. Ka o reproche à un enfant le plus souvent, la fape pleure. La femme pleure. Mais quand on reproche à une personne mature, cela interpelle sa conscience. Et il dit, Seigneur, aide-moi à ne plus reprendre ceci. L'amour n'est pas pour les enfants. La sixième caractéristique d'un enfant, et nous allons terminer par ça, l'enfant est vulnérable. La vulnérabilité de l'enfant. La vulnérabilité de l'enfant. La femme doit être sous surveillance continuelle. Unapashwa angalia kama mtoto hata jitupa kwenye moto. Ah, anatafutenda kwenye moto, anatafutenda kwenye libulu. Kuna mdogo yangu alinitumia picha ya mtoto yake, aseme kama alikala kwenye maragi, alilungula kabisa huku kwa mafesi. C'est ça les enfants. Les enfants sont vulnérables. La femme est vulnérable. Mtoto iko vulnérable. Kila wakati anaweza jifanya vibaya. Kila wakati ule mtoto anaweza jite, il faut que nous surveillons tout le temps. Suite à la vulnérabilité de l'enfant, la femme est sous surveillance continuelle. Katia encore vulnérable. Les gens s'inquiètent encore trop de toi. Wanawaza kama hauko responsable. Usiende mu amour, tu es vulnérable. À tout moment, tu peux
te laisser abuser. À tout moment, tu peux laisser un voyou te toucher. À tout moment, tu peux laisser un voyou coucher avec toi. Mais si tu sais qui tu es, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Quand je sais qui je suis, je ne pourrai pas m'emballer dans n'importe quoi. Si je sais qui je suis, je pourrai dire attention. Les affaires de Dieu ne se comportent pas comme ça. L'affaire a conscience de son identité. Et la prise de conscience de l'identité va pousser la femme à mener une vie modèle, à mener une vie exemplaire. Car il connaît qui il est. Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu peux avancer. Tu peux aller dans l'amour parce que l'identité va te protéger. Mais si tu ne sais pas qui tu es encore un enfant. L'amour n'est pas pour les enfants. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Sing it again, we are. We are a chosen generation, called forth to show His excellence. All I require. All I require for life, God has given me, and I know who tous I am. À la danse, go! Alors voilà ce que tu es.
si moi je chante, si moi je danse, c'est pour savoir, car je sais qui dans je suis. Pour le roi, si moi je chante, si moi je danse, hey. C'est pour savoir, oh. Car je sais qui je suis. En tout cas, si moi je chante, hey. Si moi je danse, c'est pour savoir, car je sais qui oh. Je suis. En tout cas, si moi je chante, oh. Si moi je danse, c'est pour savoir. Ah oui, c'est pour je sais qui je danse. Suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si je sais qui je suis, je ne chercherai à vivre comme qui que ce soit. Si je sais qui je suis, je connais ma valeur à Christ. La fin ne connaît pas sa vraie valeur. La fin ne connaît pas distinguer les choses. La fin peut changer les grandes choses contre les bonbons. Mais si moi j'ai grandi, l'amour, je vais gérer ça de manière responsable. Pour arriver à gérer une relation amoureuse, il faut connaître et être fier et être prêt à protéger ton identité. Quoi qu'il arrive, je ne me donnerai pas cet homme. Quoi qu'il arrive, je n'accepterai que personne ne suive le temple de Dieu que je suis. Quoi qu'il arrive, je n'accepterai jamais que ma vie soit souillée par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu connais qui tu es? Tu es une personne de grande valeur. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas un homme ou une femme aigrie. Une personne qui marche tête basse. Tu marches regardant par terre. Parce que tu crois qu'il n'y a que celui-là. S'il veut t'induire en erreur, tu dois l'abandonner. Parfois même lui laisser une gifle s'il veut te violer et t'affuir. Parce que tu vaux plus que ça. Et Dieu te donnera la personne qui te mérite. Mais si tu ne te connais pas, tu vas croire, tu seras en insécurité. La femme est en insécurité. À tout moment, la femme va crier, « Papa, maman !» À tout moment, la femme ne veut même pas aller seule. Parce que la femme a peur. Et une femme a peur de perdre une relation. Et elle est prête parfois à faire des compromis dangereux. Combien de filles se sont livrées aux hommes? Combien de filles immatures se sont laissées abuser? L'amour doit être mûr. L'amour est mature. Nous allons le découvrir dans la suite. Mais pour aujourd'hui, sache que, avant d'aller en amour, rassure-toi que tu as atteint un certain niveau de maturité à tous égards. Tu n'es plus un enfant. Quand j'étais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'ai jugé comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. As-tu réellement l'assurance d'être grand? Tu n'es plus enfant. Que Dieu te soutienne et te protège. Alléluia. À la prochaine, nous allons découvrir maintenant quel est le vrai sens de l'amour. Merci, grand a été notre joie d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous espérons que vous avez été bénis et transformés. Prenez de bonnes décisions pour votre vie et vous ne regretterez aucunement ce moment. C'était la dynamique IVPD. À la présentation, c'était votre jeune serviteur, Rafiki Sekalou, le jeune ministre de Dieu, écrivain et conférencier chrétien. Nous avons à notre actif plusieurs livres que nous commencerons bientôt à vous présenter. Dans un premier temps, soyez en contact avec nous au 09 90 66 45 65 et par WhatsApp si vous voulez au 081 19 89 706. Et vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Rafiki
Issekalulu. Dieu vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine pour la suite. Ne ratez surtout pas. Bye bye. Sans rien que le chant de sa voix.